Ingebrigtsen, Miaira, deux Japonais, un Norvégien dans le top 3. Oui, sauf qu'il reste deux extraterrestres en haut du tremplin. Mawish et Automaiki, c'est parti pour le Polonais. Attention, on a vu le petit drapeau de l'entraîneur penché vers l'arrière. Allez, Mawish. Oh, il y va. Il y va, oh, il y va. Ah oui, Mawish. Le magicien est de retour. Peut-être sa première victoire de la saison. Et le record. Regardez la joie des Polonais. 136 mètres. Nouveau record du tremplin pour le magicien. Quel saut. On a vu la tête vibrer à la fin de l'impulsion. Il a tout donné, le magicien. Ça file. Regardez la déformation des skis. Malgré un petit peu de vent arrière, il transperce le ciel. Ouh là là. Et il télémarque à 136. Je vous dis pas les guiboles qu'il faut avoir, il faut de la cuisse. Il le maîtrise. Et là, c'est il ça. Met la pression sur les épaules du Finlandais. C'est ça, Nicolas, un saut stratosphérique, le saut du magicien. Mandrak is back. Adam Mawish est au sommet, devant Noriaki Kasai, devant Tommy Ingebrigtsen, devant Hidaru Miaira. Mawish qui compte près de 16 points d'avance sur Noriaki Kasai, c'est phénoménal. Et Automaiki, c'est simple, s'il veut être champion du monde, il faut faire 137 mètres. Il faut qu'il aille se poser où jamais personne s'est posé sur ce tremplin. Matti Automaiki. Matti Antero Automaiki. Il est capable, le Finlandais. Oh là là, ça développe fort, ça va loin. Quel aussi. Quel défi, quel combat pour Matti Automaiki. Oui, alors, non. Qui? Je ne pense pas, Patrice. Je pense que le Polonais va remporter sa première victoire de la saison au bon moment. Oh oui, 133,50 m pour Matti Automaiki. On aurait bien aimé qu'il gagne, il est né un 14 juillet. Oui, mais voilà. Il y avait sur sa route un magicien, Adam Mawish est champion du monde, Matti Automaiki, médaille d'argent, Noriaki Kasai, médaille de bronze. Ouh là là. Pas de médaille pour l'Allemagne, pas de médaille pour l'Autriche, les deux nations qui ont dominé quasiment la totalité de la saison. Et bien voilà, Mawish qui n'avait jusqu'à maintenant rien remporté cet hiver, s'impose au bon moment devant un superbe Matti Automaiki qui n'a pas démérité mais qui a dû s'incliner face à la détermination et face au talent du magicien. Et pour la troisième place, bravo à Noriaki Kasai, on a envie de dire bravo à Tommy Ingebrigtsen, bravo aussi à Hidaru Miaira. Deux Japonais dans le top 5, le Norvégien est quatrième, Pologne, Finlande, Japon, c'est le podium et c'est magique. Et un duel fantastique, hein, car...